Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de me balader un peu à Avignon avant de partir parce que j'ai presque rien connu. C'est le palais des papes, the palace of popes. Et juste à côté, on a la cathédrale. Si vous venez ici, vous avez une vue sympa. Ok, on va voir si la cathédrale est ouverte. Je suis venue à Nîmes et j'ai décidé de déjeuner ici. J'ai trouvé un restaurant portugais où le propriétaire, je ne sais pas si c'était le propriétaire ou le serveur, mais il est portugais. Il n'avait pas de carte. Il m'a dit ce qu'ils avaient, mais c'était trop d'informations pour moi. Il m'a demandé si je parlais espagnol ou portugais. J'ai dit, mon espagnol est mieux. Parce que oui, je parle espagnol, mes parents sont mexicains, donc j'ai appris espagnol en même temps qu'anglais. Mais j'ai dit que oui, je parle aussi portugais. Il a dit, brasileiro, brésilien. Et j'ai dit, les deux. C'est normal, il y a beaucoup plus de monde qui parle avec son accent. Et il y a plus de contenu en portugais brésilien. Mais oui, donc on a commencé à parler en portugais. Moi, j'utilise l'accent portugais. Je connais les deux, mais évidemment, j'ai décidé de parler avec l'accent portugais. Et oui, il a dit que je parle bien, mais c'était difficile de changer à portugais parce que ces derniers jours, évidemment, j'essaie de me concentrer sur le français et j'ai même négligé un peu mon portugais. Mais voilà. Je vais voir les arènes et me balader un peu plus et après je vais partir à Montpellier. Thank you.
Ok, et du coup, quoi pour vous, tu vois? Tu veux voir plus chez nous? C'est l'arc de triomphe.